RMC Poker Show. Dans la tête d'un fiche. Bon, je vous annonce, je suis chaud bouillant parce que j'ai joué pendant toutes les vacances, là, comme j'avais les soirées libres. Là, je t'annonce que je suis chaud, là. Bonne le seul année. Truc qui peut me perdre, c'est la déchatte. Sinon, pour le reste, j'ai tout. Mais y a, oui, il n'y a que ça, de toute façon. Il n'y a que ça. On le saura peut-être la semaine prochaine. Bonne année, producteur. Merci, bonsoir, messieurs. Bonne année à tous. Jérémy, salut, Jérémy. Star. Salut à tous. Messieurs, ce soir, on est aux Bahamas. On est Sylvain Losli ce soir. C'est pour ça qu'on a voulu garder Sylvain quelques minutes. On va jouer un tournoi à 25 000 $. C'est le day 2. On est encore loin des places payées. On a un stack de 60 000 au blind 500 000. Et on est UTG, et on ouvre 8 et 9 de pique. Qu'est-ce qu'on fait? On est UTG plus 1 même. On ouvre 8 et 9 de pique. Attends, tu m'as dit combien on était encore dans le tournoi? On est au D2. Il y a encore plein de joueurs. Franchement, on est loin des places payées. Donc à la table, il y a du monde, on est UTG. On est 8 joueurs par table. UTG plus 1, la personne UTG a foldé. Et nous, on ouvre 8 et 9 de pique. Qu'est-ce qu'on fait? Les blindes, je rappelle, 500 000 et un stack de 60 000. Bon, la vérité, c'est que UTG plus 1, 8 et 9, même suité, il n'est pas exclu que je balance. Ouais. Mais que comme tu as envie qu'on joue, on va jouer. Et surtout, s'il faut qu'on plus ce soit une main à la Sylvain Losli. Tu te rappelles de la main, Sylvain? Je suis pas certain, non? Ah, ouais, ça va revenir. Ça va revenir. On l'a senti pareil. Qui commence là? Le mec qui fait sauter la banque depuis 10 jours sur Winamp, qui a les codes. Mundir, qu'est-ce que tu fais, toi? Le roi des séries, qu'est-ce que tu fais avec Mundir? Non, je peine à 2x, ouais. 2x, donc 2000. Michel? Moi, comme d'habitude, je lampe. Tu lampes? Toujours, moi, tu sais bien. C'est ma spécialité. D'accord, toi, tu fais 1000, tu payes. 1000, je paye pour l'instant. Salim, Daniel? J'aime bien moi aussi faire comme Michel, même si pareil qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est le droit de la tchoumé. Il faut savoir le gérer, voilà, c'est tout. Moi je le fais même avec les grosses mains, hors position, mais c'est mon jeu, toujours. Oui. Mais en l'occurrence, effectivement, j'aurais peut-être fait ça aussi, pour voir un petit peu de quel bois se chauffe la table sur cette affaire-là. Sylvain, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta tête? Moi je relance. Voilà, lui, ah oui, ah oui, c'est ancien. Il fait combien? Évidemment. Il a dit c'est ancien. Il va faire 2002. Il fait 2-5. Non, 2-2. Ouais, entre 2 et 2,5 big blinds, c'est pas très important. Voilà. Bon, c'est allez. Ce que t'as fait, t'as misé 2,5, donc 2500. Ah, c'est moi qui joue la main? Oui, c'est toi qui joue la main. C'est pour ça que je te demande si mais tu te rappelles. Mais il s'en souvient pas de la main. Tu vas t'en rappeler. Voilà. T'as 8 et 9 de pique, t'as fait 2500, tout le monde a fold, sauf la grosse blinde. Et le flop vient as de trèfle, roi de pique, 6 de cœur. On a complètement loupé notre flop. Ah oui, là on est pas de merde. Mais check de la grosse blinde. Messieurs, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'ébête en faisant croire qu'on a l'as? Moi je check. Hein. Il y a un seul pic sur le flop. Un seul pic sur le flop. C'est bon, ça te revient? Voilà. Ouais, c'est bon. As de trèfle, roi de pique, 6 de cœur. Check de la grosse blinde. Check, Mundir. Je fais demi-pote. Demi-pote chez Mundir. Check. Je présente l'as. Ah bah, de toute façon, si j'ai ouvert, comme Mundir a fait, il est clair que je sais bête sur une affaire pareille. Et si j'ai limp, bah je check, mais je vais plutôt miser comme Mundir. Ça marche, donc on se met dans la peau de la personne qui a relancé pré-flop. Mmh. On continue, Sylvain? Moi, je continue trois quarts du pot. Trois quarts du pot. Bon, on a décidé... Peut-être pas l'option que j'ai choisie à l'époque. On a décidé de continuer notre histoire. À l'époque, t'as pas fait ça, t'as misé 2200 dans 6500. Un tiers. Un petit tiers pot. Ouais, la grosse blinde à call. Ça me va aussi. Le turn 2 de pique. Ah, c'est beau. On a désormais... Là maintenant, il est là, le tirage pique. On a tirage flush. Nouveau check de notre opposant. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête pas là? Moi, j'attaque. Ça attaque chez Michel cette fois-ci. Oui, j'attaque. Il n'y a plus de limp, good call. On a compté qu'il y a à peu près 6000 dans le pot, d'accord? Il y a 6500 dans le pot, donc on a mis 2002, il y a quasiment 5000. 11000. D'accord, tu mets la moitié du pot. Je mets la moitié du pot, ouais. Normal. Pareil, également, je fais même trois quarts potes, même. Oui. T'aurais fait pareil, ouais. Daniel? Bien sûr. Sylvain, qu'est-ce que tu fais, toi? Je mise deux tiers, trois quarts du pot. Trois quarts du pot. On va pas s'arrêter là, effectivement. On a fait trois quarts potes, ça commence à revenir dans l'esprit de Sylvain. Bon, on va essayer de faire folder un roi, mettre de la pression sur un mauvais, mauvais as. On a une range quand même super, assez forte, hein, on relance ce début de parole. Ouais, on le sent, UTG, c'est, on monte de la force. On mise 7500 dans 10 000. Longue hésitation chez notre adversaire qui finit par payer. Le pot fait 25 000. Oh merde, le mec il paye à chaque fois. River valet de pique. Ah oui. Donc il y a doublette du valet là ou quoi? Flash. Non, il y a... Non, mais il y a doublette. Non, notre flush qui est rentré, il n'y a pas de doublette. Nous, on a touché la couleur. Nous, on a flush. Ouais. Encore une longue réflexion en face. Ouais. Et il finit par checker. Qui moi, en face. Il check en face. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Il check en face. Est-ce que vous voulez savoir qui est en face? Ça serait cool. Oui, c'est bien. C'est un joueur allemand, c'est Manny Gloser.
Je sais pas si ça vous parle. Mais avec pas, avec un nom comme qui... ça, de toute façon. Ouais. Mani Glouzer. Ouais, c'est pas la... Mani Ribeiro comme dans Scarface. Non. C'est la version Wish de la version Wish de l'acteur dans L'Arme Fatale qui s'appelle Danny Glover. Voilà. Voilà. Donc, je vais la garder pour check, moi. Il y a combien en tout là? Et dans le pot, il y a 25 000. Il y a 25 000. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que si tu bêtes et que tu reviens dessus, tu es derrière. Voilà. Moi, je vais checker là. Vous allez checker votre. Moi, j'arrête le truc. Moi, je check pas, moi. Vas-y, comment moi, je check là. UTG. Écoute, dis-moi, River pique pour lui et pour moi. Il est rentré, il a pas attaqué avec classe avec le roi. Moi, dans ma tête, forcément, je suis devant. C'est toi qui a raconté l'histoire. C'est nous qui racontons l'histoire. Donc, vous pensez qu'avec flush, on peut être derrière s'il nous revient dessus? Ah, bah, totalement. S'il te chauffe all-in, à mon avis, il peut pas avoir plus que flush au-dessus. Moi, de toute façon, je vais vous poser la question. On t'écoute, Sylvain. Ce qui est important, c'est au flop, c'est l'as n'est pas de pique. Donc, il peut aussi tourner sa main en bluff à la river avec juste l'as de pique. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Mounir? C'est une possibilité. Je check back. Toi, Michel, t'aurais misé dans 25 000, t'aurais fait 17 000. Moi, je ne veux plus affoler le coup. Je pense que j'ai assez pris d'argent dans cette affaire en touchant cette flush inespérée. Non, moi, je fais 17 000. Ok, Sylvain, il a fait exactement comme Michel, sauf qu'il a misé 18 000 en value, en pensant value. Et on ne s'y attendait pas du tout, mais effectivement, tapis annoncé en face. Et la décision compliquée ou pas, Michel? Il a combien, le mec? Il fait tapis, on a à peu près les mêmes tapis. On a 60. Donc là, maintenant, tu joues ton tournoi, Michel. Donc, tu joues ton tournoi. Tu payes, t'es persuadé d'être devant. Moi, tu me connais. Moi, je vais jusqu'au bout, je paye. Je t'ai vu quand même folder parfois des mains. Mais pas dans cette situation. Runner, pique, tous les deux, sachant As-Roi, check. Moi, tu sais, t'es obligé de prendre une décision. D'accord. Mon analyse à moi, voilà, c'est tout. J'aurais pris ça. Moi, j'ai checké. Si je le perds, ce fameux coup, de toute façon, je suis encore dans le tournoi. Donc, je ne vais pas te dire que ça. Je ne peux pas répondre à ce que j'aurais fait dans le tapis. Mais mets-toi dans la configuration où t'aurais misé 18 000. S'il te revient dessus, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te penses derrière? Là, franchement, ça, ce coup m'emmerde un petit peu maintenant. Ah, son tapis, effectivement, sur quoi tu peux le mettre? Tu peux le mettre sur même. Il a pas de foule, il a pas de volant. Moi, c'est lui qui veut faire croire qu'il a les piques. Il veut profiter du runner. La seule chose qui te bat, c'est une pique et une flèche supérieure. Voilà. Ouais, la flèche supérieure. Ouais, mais ok. Mais si tu ne le mets pas sur flèche supérieure, avec quoi tu peux l'imaginer t'avoir avec As-Valet, avec As-6, avec deux paires. Pour faire tapis, il faut qu'il ait l'as de pique second. T'es d'accord? S'il a l'as de pique second, je ne vois pas check deux fois. Attends, faut pas déconner. Donc c'est payé chez Michel. Je pense que si la flèche supérieure, c'est incompréhensible. Il y a comme Moundir qui paye pas. Voilà. Moundir, tu payes pas? Non. Bon, les amis, donc on était Sylvain Loosely, effectivement. On a call très rapidement en face. Il y a dame 6 de pique pour flèche supérieure. Bravo Moundir. Voilà. Bravo Moundir. Moi, je payais pas le. Je perdais le coup, mais j'étais encore dans le tournoi. Si tu t'étais mis dans cette disposition-là, tu l'aurais payé. Je pense que mon tapis de 60 000, là, j'avais perdu combien dans cette affaire-là? 13, 40. Je pense réellement, dans ce genre de configuration, et je sais pas si Sylvain sera d'accord avec moi, tel que ça s'est joué, 9 fois sur 10, s'il me fait ça, il est en bluff. Le mec. Oui, bien sûr. C'est un coup très compliqué. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de ce coup maintenant que tu t'en souviens? Il a dû être dur à ce moment-là, non? Toujours un peu dur de perdre un gros pot à ce moment-là du tournoi. C'est assez compliqué parce que il peut clairement bluffer avec l'as de pique, mais il a aussi beaucoup de combinaisons de meilleurs flush qui me battent, tu vois. Peut-être qu'il va value bet à partir de flush à hauteur d'âme, et puis évidemment toutes ces combinaisons de nuts. Il avait dame 6, il y avait quoi au flop, tu m'as dit? Mais as de trèfle, roi de pique. Donc en fait, le mec, si on refait le film de la main, le mec, il a défendu sa grosse blinde avec son dame 6 suité. Il fait une petite paire au flop. Il a touché la petite paire au flop. Tirage à la 4. En fait, l'erreur que j'ai fait dans la main, c'est de pas miser plus cher au flop, en fait. Parce que si je mise plus cher. Combien il avait misé au flop? Je voulais faire folder ça, ça m'a le flop. Au flop 2005. Tu penses qu'il fold en jouant avec dame 6, même si tu mets. Plus cher, il va folder avec sa main. Après, nous, on faisait pas du tout, Michel, la même histoire. Bien sûr. Parce qu'au départ, tu limpais. Moins cher le truc. En plus, après, On va pas faire tapis, le mec. Ouais, c'est pas les mêmes hypothèses. À un moment, il a checké, ça a été relancé. Je crois que nous, on. L'histoire, elle est pas la même selon. Si on se refait chacun le film qu'on a. Ça va pas être aussi agressif parce que eux, ils ont relancé. À chaque fois, il a investi. Moi, il n'investit rien. Ouais. Ah mais ça le coup quand même, Sylvain. Je sais pas si. Ouais, tu vas le perdre une fois sur 10. Ça le coup quand même. Ça le coup quand même. L'autre avec dame 6, il te fait loser à gagner. Simple.